Excusez-moi, je viens de recevoir un message très intéressant. Ah bah c'est sympa. C'est très sympa. Point d'exclamation YouTube, hein, Macarena. J'avais expliqué ça. Tu ne fais jamais des dons sur ta chaîne. Voilà. Alors, vous voyez la problématique. Je le banne, hein, ça. Pourquoi je banne? C'est à que la boutique, justement, elle est là pour contrer les gratteurs comme ça. Parce que la boutique, elle vous oblige, entre guillemets, de gros guillemets, hein, justement à être présent. Et donc à minimum apprécier mon contenu. Si vous appréciez pas mon contenu, au pire mutez-moi. Mais justement, elle empêche les flemmards. Là, le mec qui veut juste gratter, ça m'intéresse pas. C'est pas le... J'ai pas l'intérêt pour ça. Voilà, voilà. Donc c'est ça. Il a trop voulu gratter, bah maintenant il grattera plus rien du tout parce que je veux plus le voir ça sur la chaîne. La boutique, elle est là pour transformer votre temps, qui de base, ici, logiquement, est ludique, en quelque chose en plus un peu lucratif. Pour ceux qui le veulent, et ceux qui font entre guillemets l'effort d'eux. Mais justement, c'est vraiment un système anti-gratteur, c'est-à-dire qu'au final, Rockin' Orbinou, il y a beaucoup de jeux qui sont donnés. Mais c'est pas en mode random où tu viens gratter à droite ou à gauche. Parce que les gratteurs, justement, je peux pas blairer ça. Donc, au moins là, on a la confirmation. J'en doute déjà un peu, mais... Le gratteur, au revoir. Je m'en fous. Tu seras surpris, je pense, Nathan. Beaucoup de gens pensent ça, mais au final, les adultes sont comme ça. Hein. Pas que des enfants. Hein. Oh là! Alors, je suis pas un expert, mais quand même. Mais merde. Voilà. Ça pue! Genre il se réveille pas lui. Oui, pour le coup, ça ils ont bien précisé, le jeu est crossplay entre Steam et Epic, tout à fait. Il se réveille ou pas lui? Attendez, on va prendre le loot. Ah non, il y avait juste ouais. Protocole d'intensification. Et bienvenue Geoffroy. Augmente tous les dégâts, infligez le 2,5% pendant 10 secondes pour avoir tué un ennemi que la 10 fois infligez des dégâts, réussissez la durée de l'effet. Non, c'est pas mal ça. Bonne soirée Kaizen, à bientôt. Alors, donc c'était pas par là, là c'était... C'est une zone bonus, ça m'étonne quand même. Est-ce que je vois pas où je peux aller d'autre. Ah non, là pour le coup c'est vraiment en mode event. En mode networking, tu vois. Je vais faire du... Pardon ? C'est ça pour serrer les pinces. Putain. Quelle vie. Hein. Et c'est le Geoffroy. Ah bah re-bienvenue à toi sur la chaîne. Par où il faut aller, bordel. Bah ouais, mais là, elle est fermée, la porte.
Bah je veux bien aller par là, mais elle est très très fermée cette porte quand même. Attendez. Ah, il y avait un autre passage pour faire le tour là-bas. Ok. Alors. Voyons voir ça. Ok, vu, c'est bon. Vu. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas des masses de boss, mais alors les events sont vraiment costauds. Hein. Ils déconnent zéro leur event. Là, on va ouvrir un raccourci bien sympathique. Voilà, bonjour. Merci bien. Je sais qu'il y a un loot qui m'attend. Wow. Allez, il y avait un loot en face du... question c'est comment on y va. Attends, il est à quel étage le loot? Non, il est pas là, bah non. Alors, attendez, le loot. Ok, non, il va falloir monter. Il va falloir monter, puis genre sauter ou un truc dans le genre. Non mais là je rate le loot, je vais pas rater le loot moi. Et c'est fini là, pas de soucis. Ah bah au final j'aurais peut-être pris trop des clés, tiens, bon on verra bien. C'est pas grave. Comme elle partait en 2-2, toutes les clés ont été rajoutées là, il n'y aura plus d'autres. Il y aura eu 21 clés en tout. Enjoy. Non ça c'est pas le loot que je voyais, ça c'en est un autre ça. Comment je peux le choper celui-là? En dessous là. J'ai eu quoi là comme anneau? La vitesse. Oh, pas mal. Et donc coucou. Ouais, le jeu est... Et le jeu tu vas voir, c'est du très bon. D'ailleurs point d'exclamation Remnant Soccer pour la vidéo explicable. Explication plutôt présentation. Peut-être ici. Ah c'est là. C'est là. Non. Ah merde. Putain je pensais. Attends. Comment j'y vais? Oula. La 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 la. Non. Ah merde alors. Attendez. Là je peux pas passer. À quoi ça sert d'aller sur l'arbre alors? C'est bizarre. Putain. T'es à combien de points de chaîne là, Nina? Ah oui, tiens, attends. Tu me fais penser, est-ce que j'ai eu des nouvelles de Malric? Salut Funkos! Je viens de demander en plus aussi pour les goodies, je sais pas pourquoi ils sont toujours pas là. Enfin, ça, là, ça dépend pas de moi. J'ai été chez le coiffeur. Ah non, non, c'est juste, c'est une impression pour le coup. Non, non, j'ai été, c'est une vraie moustache. Hein, j'ai juste été chez le coiffeur, barbier, mais j'ai un... Ah, mais si, il est là, l'anneau, attendez. Ah non, c'en est encore un autre. Putain, piqûre du poids plume. Augmente les dégâts au... Oh, Lucas, c'est tellement toi, ça. Oh mais c'est tellement toi ça. Augmente les dégâts au corps à corps lorsque la charge équipée est inférieure à 50. Plus elle est basse et plus les dégâts augmentent jusqu'à plus 25% pour une charge égale à 0. Et 0 c'est pas à poil hein. Tu peux être à 0 en fait avec différents bonus.
Ça, c'est la, c'est The Anneau Azedos au cac. On voit, il y a un épique là, mais je sais pas comment le choper. Ça me trigger, vous avez pas idée. Bah ouais, il y a. Ouais, l'invite Gamescom est cool. L'invite Gamescom fait plaisir. Salut depuis la branche, je peux pas sauter. Bah j'ai pas. Ouais, mais sauter où, tu vois? Attends, je dois aller là. Faudra que j'atterrisse en fait. Peut-être, attends. C'est les Tyrian. Attends, on va essayer, c'est les Lissabère. Ah, la Gamescom, je viens d'avoir un deuxième truc qui vient de m'inviter en plus. Après frontière. Ah, attends, si. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah non, je m'en prie. Parce qu'en gros, tu vois, avec la branche, je peux pas aller. La plateforme en bas, là. Ah, ici. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Bien vu. Bingo, ok, oui. Non! Mais non! Les Elios. Ah, c'est bon, putain. C'est bon, c'est les Elios. Yes! Cordon de, probabilité. Augmente les dégâts critiques de 30%. Oh, yo, yo. Bah, juste pour la curiosité, si je me fais un build full cac là, augmente les dégâts au corps à corps de 35%. Ok. On va juste voir. Attends, juste pour la science. For science. For science. J'avais un truc léger là en termes de stuff. Il est ouf. Voilà. Je veux juste voir un peu les dégâts que je fais au corps à corps. Pour la science. Pour la science. Donc avec un stuff léger. Bah il est en train de me répondre justement. Ça tombe très bien. Il est en train de me répondre. On va voir ça. Alors l'anneau. Tout sera envoyé cette semaine. Ils s'excusent. Ils ont dû changer de distributeur pour le distributeur, ce qui a été l'enfer. Et donc tout sera envoyé cette semaine, Nina. Voilà. Alors mais attends, tu veux blaguer Kamset? Il y a Frontier qui a demandé à la Gamescom, mais je viens de recevoir une invitation d'une autre entreprise. Attendez, recharge des talents. Il y avait un truc pour le corps à corps. Attendez, c'était où? Augmente tous les dégâts. Ah, la charge équipée, c'était avec celui-là. Non, là, je suis à 4. Oui, mais encore une fois, c'est juste qu'il y a certains. Moins 10 de charge. Ouais, ni là. Il vient de m'inviter, là. Question des modes. J'avais vu un truc de dégâts, attendez. Non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi comme anneau. Augmente les dégâts au corps à corps quand vous attaquez par derrière de 25%. Ah non, mais tu vas kiffer, toi, Lucas. C'est... Ça va être vénère, hein. Là, le life steal est pas mal. Non, mais il y en avait un qui me faisait des... Hein? Ouais, donc c'est bien à 19h, alors. C'est pas à 18h, excusez-moi, c'est à 19h. C'est à 18h sur PS5, alors. Ou alors, même là, c'était que à Londres, c'est le bordel comme d'hab entre eux. Relance team au cas où. Je peux pas la descendre plus la charge. Comment j'avais fait pour la descendre plus? Attendez. Dans le doute reboot. Ok, donc là je suis en mode full cac. Très bien. On peut se reposer un coup. Je réponds juste. Ah non, c'est que c'est une... Attends. Ok.
Dans le doute reboot, c'est ça. Dans le doute reboot, les gars, pour regarder pour Undaunt à quelle heure c'est. Ok, on va tester au corps à corps maintenant, attendez. Après, j'ai un peu de thunes. Ah oui, Pookie, c'est vrai, le lien. Attends, putain. Alors. Oubliez ça, être truc à la fois. Socure, tu m'as fait des liens. Ah, attends, faut que j'envoie quoi, Pookie, déjà? Ah, le lien pour Pookie, il est là. Logiquement, Pookie, comme t'es intelligent. Merde. Ça a envoyé tout le message. Bon, trouve, regarde ton lien. Il y a marqué voici lien pour Pookie. Et il faut que je change après le petit truc. Mais bien sûr que ça passe, la moustache. J'ai trop le swag. Respecte ma stache. Je veux juste tester là au corps à corps. Je devrais faire des dégâts vraiment considérables pour le coup. Bon, attends, il y a mon chien qui a éclaté les mobs. On pourra pas s'en sortir. Oh, ouais. Ouais, je suis en train de... Ok, ouais, l'augmentation de dégâts est assez vénère. Et encore, mon épée n'est pas maxée. Hein. Elle est en plus... Oh, elle est en plus 11 quand même, ce qui est pas mal. Elite Dangerous, Planet Zoo, Jurassic World Evolution. Et donc là en fait ils font Warhammer. Je pense juste qu'ils m'invitent parce que j'ai streamé pour le coup quand même quelques jeux Warhammer. Mais sinon j'ai pas fait beaucoup de leurs jeux en fait en stream. Parce que Elite Dangerous j'adore mais ils savent pas que j'ai joué dans le sens où j'ai jamais streamé parce que je trouve que c'est instreamable. Oh, on va pouvoir tester le bulcac, tiens Kamset. Sur lui là. Venom. Le problème c'est qu'il vole, tu vois, c'est pas le meilleur boss pour tester, il vole ce con. Donc c'est un peu relou, c'est un putain de boss qui plane. Donc je rate la moitié de mes attaques. Ah non, ça sent pas bon, non? Tu peux le dire mon pote hein. Un peu le pire boss. On en parle après Nina. Non bah le but de cac là dessus c'est pas ouf, le boss flottant on peut le taper un peu mais c'est pas dingue quoi. Alors on va remettre mon best of. Bon, ça aurait été rapide le bulcac. C'est le deuxième boss que je vois. Après, il y a sûrement des gens qui peuvent y arriver, hein, mais bon, là, ils volent quand même, quoi. C'est un petit peu relou. Ça, c'était très bien. Ça, je voulais. Non, ça, je voulais dégager. Alors, on va mettre à jour les anneaux. Alors, les anneaux. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et le dernier c'était. C'est là que j'utilisais mais j'ai envie de changer un peu. Vas-y augmenter les dégâts critiques. Ok. J'ai vu que tu joues à arc. Ouais il est trop bien mon arc. En même temps il est trop stylé. Hein. Déjà je trouve ça stylé comment je l'ai eu. Et ensuite, je trouve ça stylé le feedback quoi. Pourquoi il y a d'autres personnes qui jouent à arc que j'ai pas envie de savoir. Oh. Oh le crit qu'il a pris. Oh le crit qu'il m'a mis. Je suis vraiment mal pour le coup là. Oh t'es sérieux. Putain. Alors l'arc est un peu caché hein. Je préfère te prévenir. Ah bon? Il va venir là. Il est où? Putain, j'ai oublié ça. Merde. Oh
Heal. Ok. Encore. Attends, c'est mon dernier heal. Oh. Ok. Et donc Nina, effectivement, en tant qu'invité de frontière, j'ai accès à toute la Gamescom. Le gros avantage, en fait, en tant que... Ah bah. Bon bah, à toutes. À toutes. Faut bien choper le point faible. Oh mais j'ai le timing d'un lépreux, c'est une catastrophe. Ouais, mon chien aussi, ça le fait chier, il arrive pas à le toucher. Mon pauvre bibou, il galère un peu à le toucher, le mob. Putain. Mais c'est nul mon timing, c'est une catastrophe. Je suis peut-être gogol en fait, hein. En plus régénérateur. J'aimerais tellement choper le viewer qui m'avait dit de la merde sur Redent 1 en me disant que le boss se heal pas. Régénérateur en fait, c'est parce que les boss on les affixe aléatoires. Et là c'est qui se heal. Donc c'est assez sympa. Ah, je suis dans une AOE, trop bien. What? Alors, vous pouvez y jouer ou vous pouvez pas y jouer? Ah, et c'est long. Il y a une réclamation sur Discord. Ouais, j'aurai, on verra dans 7 jours. Les blagues, moi j'en ai un peu marre des blagues et des gros guillemets, quoi. Les blagues, en fait, sont les blagues quand les gens sont rendus compte que c'est une connerie, tu vois, ce qu'ils ont dit hier. Et ensuite dit non mais c'est une blague. Je déteste ça. Ouh, je prends cher. Putain, en fait j'esquive pile poil avec le mauvais timing. Impressionnant. Ah bah oui, je suis là-bas. Tu peux jouer, ouais. Donc c'est bien 18h. C'est ouf d'esquiver aussi mal. Bon bah let's go. Alors attends, on va mettre en place la... Ok. Ça sera pour une prochaine fois le boss. Pardon ? Ça, tu déconnes ?